Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une astuce pour faire un maximum de points en peu de manches. Donc première chose qu'il faudra faire c'est passer la manche des rollers. Donc vous pouvez faire ça en legit ou en glitché, c'est comme vous voulez. Donc pour passer la manche des rollers, bah, vous vous mettez dans le glitch comme moi, vous allongez, vous passez en dessous de la barrière. Après vous vous allongez et vous vous mettez comme moi, vous collez la barrière mais ne dépassez pas la barrière sinon les rollers vont pouvoir vous tuer. Donc là je vais attendre que la manche passe pour récupérer la munition et après je vous explique c'est quoi la technique. Voilà, la manche est passée, je récupère la munition. Alors la technique c'est de se mettre ici. Voilà, vous allez vous mettre ici. Et en fait il va falloir activer dans le mille. Donc moi je vais activer plein de cartes pour faire un maximum de points et vous faire un peu bluffer, vous allez voir. Donc première chose que je vais activer, ce sera la carte dans le mille. Donc votre précision vaut à votre équipe un multiplicateur d'argent. Donc ça vous vaut à vous aussi, hein, ça vous multiplie votre argent aussi. Après quand j'aurai activé cette carte, je vais tirer dans le tas. Donc je vais récupérer ma deuxième carte qui est tir en or. Je vais activer ma deuxième carte tir en or. Je vais récupérer ma troisième carte par ici, les bastos. Donc de là, je vais récupérer des munitions et je vais continuer à tirer jusqu'à temps d'avoir jour de paye. Après j'active jour de paye et puis après ben voilà, après ben je peux activer offre de remboursement pour être remboursé, vous allez voir, pour les prochains achats. Donc voilà, économiser un maximum de thunes et vous allez voir je vais gagner un maximum d'argent. Donc surtout faites super attention parce que ce glitch-ci a été patché. Si vous vous mettez trop près des zombies vous allez mourir, ils vont pouvoir vous tuer. Donc je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de mourir. J'ai surtout pas de quick revive en plus. Donc voilà, vous vous rapprochez un maximum. Mais faites attention de ne pas vous faire toucher. Donc là, on va attendre que tous les zombies arrivent, hein, tout simplement. Alors, petite information supplémentaire, si vous mettez un silencieux à votre arme, vos dégâts des balles sont moins efficaces. Donc vous faites plus de points. Donc je vous conseille de mettre un silencieux si vous voulez faire un maximum de points. Donc cette technique est faisable en solo et à plusieurs. Donc on a déjà fait une vidéo à plusieurs, mais j'attends que Trashdead mette la vidéo en ligne car c'est lui qui l'a trouvée. Donc je mettrai sa vidéo en description de cette chaîne, de cette vidéo. Donc je mettrai son lien de sa chaîne, excusez-moi, en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Donc vas-y, c'est parti. Donc là, j'active ma carte et je vais tirer dans les pieds un maximum possible. Donc j'active ma carte et je tire dans les pieds. Jusqu'à temps que je remplisse ma deuxième carte. Vous pouvez déjà remarquer que les points montent un maximum super vite. Voilà, là j'ai ma carte, j'active ma carte, tire en or, hop, et je continue. Regardez les points comme ça monte un truc de ouf les potos, c'est un truc de malade les potos. Voilà, là j'ai par ici les bastos, donc je vais finir mes bastos. Voilà, et là je vais courir, je vais m'abaisser et je vais activer par ici des bastos pour le récupérer. Donc regardez, hop. Et là je retourne dans le bug direct et je me remets là vite fait. Mais je fais attention de ne pas prendre la bombe, hein, surtout. Donc là je vais attendre un peu que les zombies reviennent. Voilà. Je vais attendre qu'ils reviennent un peu tous. Et voilà, je continue. Hop. Donc là, je vais vite activer ma carte jour de paye. Hop, et je me remets dans le glitch. Et j'attends qu'ils respawnent, enfin qu'ils reviennent tous devant. Et vous allez voir le nombre de points que je vais avoir. Vous avez vu, ils peuvent me frapper, donc faites super attention, ne vous approchez pas trop. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, 200 000 points les potos, 200 000 points. Et voilà. Voilà, j'ai fait en une manche, j'ai fait 230 000 points. Vous imaginez, j'ai fait 230 000 points, c'est un truc de malade les potos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, s'il vous plaît, lâchez un gros like, un putain de gros like. Et aussi, faites partager un maximum cette vidéo pour que tout le monde puisse faire un maximum d'argent en moins de temps possible. En une seule manche, franchement, c'est trop cheaté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer et que cette vidéo fasse le tour. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, si vous voulez, lâcher des commentaires,
ne vous gênez pas, lâchez des commentaires, il n'y a pas de problème, j'essaierai de les lire. Donc voilà, alors moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, peace.